Bonjour les Minecraftiens, ici c'est le B35, je suis en compagnie de Mr. Fenrex pour un nouvel épisode de Minecraft Vous êtes offert, je suis coincé dans le champ des cochons. Bonjour à tous, bah voilà, ça fait deux. Ouais, on est que deux, mais bon, c'est pas grave. Ça va pas être simple, hein. Je vais pas faire ça avec du quartz, mais j'ai pas d'autres blocs sur moi. T'as pas un bloc de dirt par... C'est qui ça? J'ai cru voir quelqu'un. Y'a quelqu'un ici? Y'a un intrus ici. Oh, un immigré. Mais... Ramasse ce quartz. Il est où? Monsieur, qui êtes-vous? Papier, s'il vous plaît. Vous avez un passeport au moins? Je les ai pas sur moi. Oh là là. Ouais. Bah yo. Je suis un invité surprise. Ouais, un invité surprise. Ouais, un immigré sans papier. Attends, ouais. Un immigré surprise, voilà. Immigré surprise. Tu sais ce qu'on en fait, les immigrés surprises? Non, j'ai pas envie de savoir. Bref, on se retrouve sur Minecraft Vous êtes offert avec RQ et Mr. Fanax. Donc, RQ, c'est sa première fois sur cette série. C'est incroyable. C'est la première fois tout court. Troisième non, vidéo ouais. Avec lui sur la chaîne, alors qu'il est membre de la team à part entière. Bientôt, il y aura plus de vidéos avec les partenaires qu'avec un membre de la team. C'est ça. Et bon, on va essayer de changer ça. Voilà, juste, je me sens un peu tout nu là. Et bah, j'ai faim, pioche un petit peu dans les coffres. Ah, t'inquiète pas. Il y a avec modération. Je pioche. Bon, il y a de quoi faire. Je vais me coucher, personne n'a entendu ma blague, c'est bon. J'ai pas entendu la blague, mais je crois que je préfère ne pas l'entendre en fait. Il vaut mieux pas. Ils sont où les coffres Je vais te guider. Alors, où es-tu déjà? Je suis parti dans ta maison. Avec Pinocchio au début. Pinocchio, ou ça? Oui, Pinocchio. Ah oui. Oui, c'est vrai. On va peut-être le changer un jour, ce cadre. Donc, ça, c'est la mine. Ok, je vais pas là. Donc, ici, nous avons la splendide salle de coffre créée par moi-même et aménagée par à peu près tout le monde. Ok, sauf moi. Ouais, sauf toi. Sauf moi. Ok, visite guidée d'une maison de 15 mètres carrés. Après tout, c'est déjà plus grand qu'un appart à Paris et surtout ça coûte moins cher. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si on dormait, on en a pas tellement besoin en fait. Bon, il y a un lit ici, mais bon, en même temps, avoir un lit dans l'entrée, c'est plutôt rare dans les maisons actuelles. C'est ça. Est-ce que je peux t'emprunter un bloc de diams? Ouais, si tu veux. Parce que sinon, Deux maxi. Bon, bah deux. Après, faut en laisser un petit peu pour tout le monde. Je crois que tout le monde est passé maintenant avec toi sur la série. Putain, j'en fais passer deux ou trois fois. Alléluia, à ce propos. Même 13 est passé sur les épisodes précédents. On a fait du farming et c'était pas intéressant du tout. Sinon, je crois que tout le monde est passé, oui. Ça fait pas un peu 10 épisodes qu'il y a une flèche plantée dans le lit? 7. 7 épisodes. C'est d'ailleurs... t'étais là dans l'épisode où j'ai planté cette flèche dans le lit. Les flèches, j'ai pas passé rapidement, mais bizarrement... Donc si vous voyez pas, c'est normal. C'est parce que je suis en mode recherche. Ouais, donc ici c'est les minerais et tout ce qui vient de la terre. Ici c'est tout ce qui vient du nether et du stuff de Falaval pendant qu'on a fait cette forteresse. Ouf. Ici c'est tout ce qui concerne le bois. Ici c'est tout ce qui concerne ce dont on a absolument rien à fiche qui a tout autour de nous. Et CLB. Ici c'est ressources premières. Oui. Tiens, je t'offre une fleur. Oh, c'est gentil. Le truc inutile, tu sais. Absolument. Je vais me prendre. J'ai piqué une cobble à Mr. Fanax. Je lui donne une fleur en échange parce que je suis gentil. C'est l'amour et l'amitié dans cet épisode. Ouais. À ce propos, la nuit tombe et c'est pas normal vu que les épisodes ça commence toujours le jour. Oui, j'avais vraiment un œuf de poule. Il a coupé. Un œuf de poule créatif. Je sais pas du tout où il vient. Il me faut de la bouffe. La bouffe, c'est ce dont on manque le plus dans la série d'ailleurs. Je me disais. On essaye de faire de notre mieux, c'est pas simple. Cochon, on élève des poulets.
Il y a un peu de cochon, mais pas moi. Si vous m'entendez tousser, c'est pas normal. Et du coup, est-ce qu'on va continuer le chantier de la nouvelle maison là-bas? La maison une nouvelle maison en chantier. C'est un projet de Tinjoff, ça. Juste comme ça, les œufs, ça sert à quoi? Ça peut servir à quoi, à part éclater justement les œufs sur des maisons? Contribuer à l'élevage de poulets. Une fois d'ailleurs, je suis tombé. Qu'on meurt pas de faim. Je suis tombé sur l'easter egg très très rare. Il s'est fait une épée en or. Il a pris une épée en or. Oui, j'ai pris une épée en or. Quelle soirée, mais. Mais what? Oh, je vais mourir. Je vais mourir. C'est Excalicube, hein, si vous voulez. Et voilà. Ah bah non, il me reste un cœur. Il va falloir farmer les levels et farmer la nourriture et surtout faire des belles constructs. C'est en plus, c'est un terroriste, quoi. Je casse des œufs. Je casse des œufs. Je vais commencer par les farmer un petit peu dans le nether pour le quartz et. Attends, je leur donne ce parfrère. J'ai besoin de quartz, bibliothèque et vitre bleue pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire je sais pas, un temple à l'entrée du nether. Y a pas de souci. Un temple. On vénère les ghasts ici? Non, on vénère autre chose. Moi je suis vénère. Je sors. Pioche de la mort! J'ai failli taper Spigman, c'est pas grave! Je me nourris à Rotten depuis tout à l'heure, c'est génial. Oh bah moi il faut que j'écoule mon stack de Rotten Flesh, donc je mange. Gros GG à RQ, hein. Non mais c'était fait exprès. C'était parce qu'il me restait une cuisse et trois jambes. Non, je rigole. C'était pour la blague. Trois cuisses. J'ai pas compris celle-là. Non, mais moi non. J'ai pas compris. J'ai compris ce auteur. Faut pas chercher. Faut pas chercher. Ouais. Hop, un peu de quartz. Trois nouveaux blocs. De quartz. C'est génial. C'est bien. Loin avec ça. Juste comme ça. Vous êtes où? We are in the nether. Too much. C'est bien ce que je pensais, j'avais fait dans mon inventaire. Et le trou là, ah non, j'aime pas. J'aime pas cette skip. T'as de la chance. J'ai rendu mal à Pigman et puis j'ai enlevé sa tour en bronze. Bon, heureusement, apparemment, ils m'ont pas vu. Après tout, moi j'ai besoin d'XP. Fuck la police! Je les dégomme moi les. Ouh là 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 là. Sur la sous-sente c'est juste trop facile. Attendez, j'arrive. Il a beaucoup? Hey, compa! Toute une famille! C'est du charme de. Faudrait que je l'améliore un petit peu mon épée. Bah moi faudrait que j'en ai une. Parce qu'il est en or. Bon, de bah voilà. XP gratuite. Oh, vous me l'avez volé. 30 levels, il faut que c'est quelque chose. Et ça me donne de la bouffe en plus au fur et à mesure. Oh pardon, je voulais juste jamais à manger dans ce stack. C'est pas je voulais juste pousser dans le vide, c'est tout. En plus, on perd pas le stuff. Ouais, d'ailleurs, c'est normalement, ça devrait pas être comme ça. Wow. Game me roule. Keep inventory. Ah, ça veut dire que je peux te tuer et récupérer ton stuff. Non, trop tard. oui, si, bah si. Oui. Si, mais oui. T'as pas intérêt à le faire, de toute façon, vu que toi t'es à l'épée en or, moi j'ai un stuff overcheaté, full protection 1, avec le char 2. C'est pas hyper cheaté, mais c'est quand même pas trop mal. Pour combien que je peux tuer? Après, je te garantis pas de reprendre ton stuff. Non, arrête pas. Non, il faut prendre en traître. D'accord, tu prends exemple sur moi. Non, arrête. Oui, professeur. Attends, prendre en traître. Est-ce que j'ai bien fait? Non mais ça c'était mal fait. Et c'est ce que j'ai fait. Un, deux. Et bah, tu vas mourir, oui. Ah, le lag du serveur. Non, regarde. Non, toi tu peux pas le frapper. Regarde, MC4. Moi, ah merde. Regarde, non, moi je peux le frapper. Non mais moi je peux le frapper, regarde. Ça frappe ou pas? Eh oh. Eh mon épée. Mon épée? Ah merde, elle s'est cassée, je crois. Ah oui, bon, en même temps, c'est l'épée en or, c'est pas exactement jusqu'à. Je fais comment maintenant? Bah, tu t'en prends une, moi j'en ai beaucoup des épées en or si tu veux des épées de merde, mais moi j'en ai un. Je creuse ma maison. Tu dis que tu mines vite là?
Non. J'ai jamais dit que je culminais vite. En tout cas, moi, je vais. Tu l'enchantes. C'est normal, tu l'enchantes. Motherfucker. Yo, le swag. Ah, tiens, du quartz. C'est quand même un petit peu gênant d'en être réduit à miner au petit pour trouver du quartz. Hein. En même temps, on a techniquement explosé une nether. Explosé. En même temps. Si, si, on a un peu explosé. Hein. Ouais, un peu. Enfin, c'est non, les ghasts. Mais c'était ma maison. Peut-être, mais moi, c'est mon minage au petit, donc. Pourquoi ? Bon, bah, je vais faire ma maison autre part. Par contre, oui, bah, du coup, faudrait que je rentre à la maison pour que je répare ma pioche. La maison, elle est là. Faudrait que j'arrête de tout user mes outils parce que au final j'use terriblement mes outils pour avoir de l'XP pour réparer mes outils, donc c'est un cercle assez vicieux. Non, arrête. Non. À moi. Qui veut tâter de mon Infinity Power 4 and Breaking 3? Perso, moi je meurs de faim. Toi aussi? Au sens propre. Je vais bientôt crever de faim. Je me suis enflammé avec mon... Dans les deux sens du terme. Ça veut dire quoi, ça? Tu parles dans les deux sens du terme. C'est-à-dire? C'est quoi le deuxième sens pas. Du terme? Je sais pas, et toi? Pas moi non plus. Bah, c'est bête alors. Eh oh! Vas-y, mais je vais les taper à la pioche, moi. Et c'est quoi? Ah non, je voyais que l'épée, je croyais que c'était un scorpion, le truc. Je te jure. Tu joues trop avec des mods. Non. Il tourne pas mon PC avec des mods. Aïe, le bah, feu ça fait pas. Le feu ça brûle. Hop là, goodbye. Oui, oh. Stop. Et j'ai acheté la touche. Ça suffit la violence. Oui, il y a une épée. Trop de violence. Autant oui, il y en a une deuxième. Allez, j'ai deux épées en or. Bah, j'ai un stack de netherrack, moi je vais m'en servir. C'est plutôt de quartz que j'étais venu chercher ainsi que de l'XP, mais bon, c'est pas grave. Ah. Ah, hop, 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 on se calme. Voilà, level 8 atteint. Oh, comment il m'a sauté dessus, c'était magique. C'était magnifique, ça. Genre, tu fais ça sur une animation 3D Slamakao, par exemple, ça rend super. Au ralenti, à 120 FPS. Waouh. Oups. Je vais bientôt crever, faudrait que je rentre à la maison. Ah non, le stuff... Oh merde. Non, j'avais du stuff en diams. Il est où ton stuff? Ben, tu peux aller chercher dans la lave, si tu veux. Si ça t'intéresse. Bon, bah, il te reste plus qu'à miner un peu. Non, mais c'est pas grave, je vais rester... Mais je suis pris un dégât d'étouffement en respawnant, c'est pas possible, j'ai plus qu'un cœur. Oh. Ah, deux affiliés sans m'empoisonner, des rotten flash. Enfin, c'est pas vraiment du poison, mais bon. Vous m'aurez compris. Ou pas. Ah, si, il y a une enclume ici. J'ai plus qu'un demi-cœur, mon dieu. Putain, c'est aussi cher que ça. Ah bah, va falloir trouver un moyen rapidement de... déjà de se suicider. Dans les commentaires, ils vont m'appeler Boulet. Ils vont s'appeler comment? Boulet. De canon. Ah, c'est trop là. C'était quoi ça? C'était un hurlement de Mr. Panax, ça c'est what the fuck par ailleurs. C'était voulu hein. Bah au secours quoi. On va pas m'appeler le boulet. Je veux sortir du bug. Waouh, c'est quoi ça? Oh, il y a eu un petit lag en effet. Il faudrait un peu plus de diables et surtout beaucoup plus d'XP en fait. Non, l'épée en or. Bon alors, c'est la nuit, et quand le jour se lèvera, l'épisode sera déjà fini, donc... On va se prendre un peu d'Enderman. Ouais, allez, on va friter l'Enderman. Ah oui, moi du coup, j'ai perdu tout l'XP que j'avais eu tant de mal à accumuler, avec mon suicide, là. Le suicide n'est pas hyper RP, mais bon. Tiens, je comprends comment elles apparaissent dans mon inventaire, toutes ces white tulips. J'ai qu'à s'avancer à bord d'apport des zombies. Dans ce biome. Ça fait un peu bizarre l'idée de récolter des fleurs en tuant des zombies, mais après tout. Comme ça, on pourra dire sur YouTube que c'est tout public. Hein.
Lol. En parlant de zombies. Bonjour. On le casse ou pas le grinder? Vu qu'il nous sert pas à grand chose concrètement. De quoi? Le grinder. Bah en même temps il a rien looté depuis le début, depuis que vous l'avez construit donc. Il a looté 2-3 trucs mais très très rare. Faut vraiment avoir beaucoup de chance pour qu'un mob qui spawn là-haut réussisse à descendre en bas. Et je parle à moitié comme un Québécois mélangé avec un accent inexistant, tout simplement parce que j'ai le dépris. Oui. Je suis content un épisode qui se passe bien, ça faisait longtemps. C'est grâce à RQ. Aïe. Ouais, au moins j'ai la rotten flèche. Quand je serai au level 16, je réparerai mon épée en faisant gaffe à mon armure, évidemment, qui va bientôt casser aussi. Putain, faut tellement d'XP, c'est infâme. Ouais, mais bon, on a le temps, Non, yeah. C'est pas vrai. Il manque qu'un seul point d'XP pour passer au level 6, je suis mad. Oh, CD. Sayday. Je vais l'avoir. 3, 2, 1. Oh, non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Le squelette, j'avais déjà donné un coup d'épée sharp 2 au creeper. Le squelette a envoyé la flèche dans le creeper. Ça a rabattu le creeper sur moi. Le creeper a explosé. Mais ça m'a mis que 2 coeurs et demi parce que j'ai une armure en diams. Et 1. Joris. Je vous présente Joris, notre nouvel ami. C'est cool, les amis. Ouais. Je ne vous oublierai jamais, dis-moi. J'irai même un garde du corps, en fait. Au pied, Joris. Il faut assez de grosses flèches pour me régénérer. C'est cool. Alors, qui veut m'attaquer? Je vais mettre de l'armure en or, tiens, pour mon plastron en diams, pour pas trop l'user. Eh oh! Oh, c'est pas mal comme système. Je suis beaucoup moins résistant, mais au moins, j'use moins mon armure. Tiens, le biome coin extrême. Je dis souvent qu'il y a des choses très sympas à faire en construction dans un biome coin extrême, mais je le fais jamais. Ouais, bah en même temps, on survit. On essaye de faire. Il faut aplanir un peu. Bah en même temps, t'as Joff, il y arrive. Il a commencé à construire une belle maison dès son premier épisode sur la série. Il faudrait qu'il revienne pour la terminer. Un jour. Bon là, pour l'instant, on a surtout un chantier sur la colline. Mon steak. Reviens. Comment ça, squelette? Ne me quitte pas. Non, mon steak, j'ai dit. Non, mais je viens de trouver une machine avec marqué squelette. Ah non, ça c'est Bentress qui a fait... Qui a fait une usine à CD complètement foireuse. Ah, une usine à CD. Oui, bah j'ai l'impression que toutes les machines qu'il y a dans cette série sont foireuses quand même. Oui, on sait pas jouer en fait. Sauf la machine à œufs de poulet. La création de Monsieur Fanax. L'espèce de tour de bouse. Mais en même temps, elle fonctionne, donc c'est déjà ça. Sauf que le champ... Oh non, j'ai cassé la... J'ai cassé la laisse de Joris. C'est qui Joris? C'est mon garde du corps. C'est qui? Devine. Je sais pas moi. Tu vas me tuer quand tu le verras. C'est pas vrai, c'est qui? C'est la raison pour laquelle il va falloir reminer du fer. Oh putain! T'es sérieux? Oui, mais maintenant j'ai un nouvel ami. Oh, t'es mon sérieux? Serviteur. J'ai tué CLB au passage. Pardon. Bon, par contre, pour retrouver la maison, ça va être le même délire que l'autre fois où j'étais allé ici. Bon, là pour l'instant, je vois aucun Enderman ni rien. J'ai pas pu Joris, tu cette araignée. Enfin, c'était il y a 2-3 semaines pour vous, les viewers, mais hier, j'ai pas pu tourner le défi Minecraft tout simplement parce que. Parce que. Non, parce que.
Ça laguait trop en fait. Le défi se déroulait dans une forteresse du Nether. Je me suis déplacé très très vite dans le Nether pour trouver la forteresse en 5 minutes. C'est bien, ça s'est bien passé. Non, c'est pas vrai quoi. Quand tu commences à viser à l'arc, il faut toujours qu'on prenne par derrière, c'est chiant. Putain, mais arrêtez, vous êtes beaucoup trop nombreux là. D'ailleurs, ça me rappelait le défi que je t'avais proposé avec faire entrer le creeper dans une maison. Bon, la prochaine fois que je te donnerai un défi de ce genre, je te donnerai plusieurs chances. Ça a fait un peu court quand même. Ouais. Tu l'as regardé ? Oui. Oh, Underman ! Mais j'ai plus que deux cœurs, donc je vais peut-être éviter. Mais le problème, c'est que le jour se lève, j'ai bien envie de me le faire, cet Underman. Aucun Underman en vue. Ah, mais de toute façon, il m'attaquait, donc c'est pas grave, j'ai pas le choix. Boris ! Enfin, Joris, tue ce zombie ! Viens, Underman ! Non ! Underman, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Minecraft News, CLB a divorce. Underman, reviens ici, s'il te plaît. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Des perles de pluie d'un pays où il ne pleut pas, c'est-à-dire le biome désert. Le biome désert. Il n'y a rien que l'ombre de ton ombre, c'est circulaire. Comment tu as cassé la poésie, il a... L'ombre de ton chien que tu ne peux pas avoir. Aïe. Ah, c'est pas fermé. C'est maintenant que tu me dis que tu reviens. Tu m'as laissé 3 ans seul. Espèce de connard. Eh bé. Bon, je vais l'attacher à l'enclos des poulets. Voilà. Bah, Hercule, on n'entend plus. Non, surtout ne me touche pas. Je suis un demi-cœur, j'ai 13 levels, je veux surtout pas que tu... Oh, je suis avant. Pas trop de perles, mais je suis quand même content. Bon, bibon. Le jour se lève, le soleil vient de se lever. On est content de dire au revoir à Minecraft, vous êtes offert. Donc, sur ce, je vous dis au revoir, c'était CLB.